Et premier côté métier, on brate alerte anticorruption, c'est dans le ministère de la Justice. Nous allons regarder qui fuit ça lui-même, l'Ipral Poté avec Jacques Hans, Jacques Ludwitch Joseph, qui est directeur général ULCC, Unité de lutte contre la corruption. Nous devons regarder ça avec vous. Mais à soir, on m'a annoncé là, jeudi Petro, il tournait sur Radio Mega. Jeudi passé, nous avons une chance nous-mêmes pour nous déparler, pour nous débattre position nous, qui s'en souhaitait de Petro Caribé. Mais nous décidé de parler à soir avec ancien commissaire gouvernement, la ville Gonaïve, juridiction Gonaïve, Maître Enoch Géné-Génélis. Nous décidé de parler avec lui à soir, puisque Enoch Géné-Génélis, c'est ancien commissaire gouvernement dans la ville Gonaïve, qui, très rapidement, m'a vérifié ça pour nous, lui déposé une plainte dans le parquet Gonaïve pour demander action publique capable en mouvement contre le sénateur Youri Latorti pour, parce que selon Enoch Géné-Génélis, sénateur a été coordonnateur plan spécial Gonaïve. Et les quoi, les plaintes là déposées dans la date 18 août. C'est dans la date 18 août, Enoch Géné-Génélis déposé plainte là. Li écrit par Gonaïve, li dit li c'est Enoch Géné-Génélis, citoyen gonaïvien. Et c'est au commissaire gouvernement pour parquet tribunal première instance Gonaïve là, li déposé lettre ça. Li dit li relé Enoch Géné-Génélis, citoyen haïtien gonaïvien, li ba numéro nifli et li fait exposer là. Li dit mais pour qui ça? Li dit gagné quatre résolutions qui te prend en conseil, dans conseil ministre. Quatre résolutions pendant conseil ministre sous gouvernement l'ex-président Joseph Michel Martelly, Laurent Lamotte, gagné valant 20 243 476 goudes te débloqué pour réaliser projet rénovation ville Gonaïve bien avant même avant même carnaval t'est arrivé dans Gonaïve. Donc le carnaval là t'est fait en 2014 dans Gonaïve et l'argent ça il était transféré par BMPAD t'est gagné 18 619 071 goud. Radio Mega. Que toute valeur ça yo yo te tiré yo so, toute l'argent la parler là yo sorti nan Petro Caribé, c'est fond Petro Caribé. Et il dit toute information que li gagne il capable vérifier et yo visible monsieur commissaire gouvernement après toute dénonciation ça yo action publique doit mettre en mouvement contre l'ex-sénateur Youri Latorti pour infraction de corruption et détournement des fonds destinés à la rénovation urbaine de la ville de Gonaïve et fonds SAO est sorti dans Petro Caribé. Et c'est donc Géné-Génélis, citoyen, avocat, citoyen haïtien et gonaïvien et lui-même qui passait par l'affli en bas notre ça. Lizi, après époque ça, ex-sénateur Youri Latorti, dans époque ça, ancien sénateur Youri Latorti était principal conseiller, ancien président Joseph Michel Martelly, et c'est lui-même qui t'a coordonné, et responsable gestion, et fonce l'agence à eux. Il dit, en fonction de toute information qu'il recueille, il mène enquête tout souterrain, il dit, rénovation, 14 km route dans cité Indépendance nan, pour un valeur 15 635
902 gouttes 4 rives. Alors 15 635 902 $ 4 rives. Curage de dallage de Dalo, Rue Louverture Gonaïve, pour un valet 9 977 570 gouttes 72. Réparation 500 maisons dans Gonaïve pour un valet de 19 868 000 gouttes. Aménagement site touristique dans le département Artibonite pour un valet de 29 millions de gouttes. Plantation 6900 arbres dans Gonaïve pour un valeur de 9,342 gouttes. Réhabilitation place d'Am Gonaïve pour un valeur de 1,539,894 gouttes. Réhabilitation tronçon route nationale numéro 1, la Coussoukri, la Coussouvenance pour un valeur de 36 millions 49 668 gouttes 96. Alors 628 gouttes 96. Rénovation urbaine de la ville de Gonaïve de 14 km pour un valeur de 28 658 000 gouttes. Que au mépris de toute norme, principe, constitution, règlement, voie morale, ancien président, commission éthique et anti-corruption. Dans le Sénat République, là, Yuri Latoti, les juges de société, les juges de 40 sociétés. Et toujours dans même note, ça, dans même lettre, ça, écrit commissaire gouvernement, plein de ça, il déposé, il cite toutes dépenses, ça, il dit, l'elle mène enquête, travail, pas réalisé, selon, oui, mais c'est fait ça là, qu'elle est. Mais c'est fait ça là, moi pas jeune. D'accord. Donc, selon toute enquête qui mène, travail ça, il n'y a pas réalisé ou bien il est insatisfait de travail ça dans la ville de Gonaïve. Comme magistrat Genelis, Enoch Genelis, comme son ancien commissaire gouvernement, moi décidé de parler avec lui à Souéa, puisqu'il n'a pas. Les dit l'agence a sorti dans fond Petro-Caribé et nous toute la tour nous gain chance côté de mon vidéo côté Yuri Latonchi lui-même il t'a fait éloge, il t'a ventilé l'agent qui a loué à fond à pour plan spécial Gonaïve. C'est ça que fait Assoyam décider parler avec ancien commissaire gouvernement Enoch Genelis qui mandé la justice nan Gonaïve pour arrêter Yuri Latoti dans le cadre dossier Petro-Caribé, puisque n'a parlé de Petro-Caribé et dossier ça moi et pas décidé faire bac là-dedans. M'a parlé de dossier Petro-Caribé chaque jeudi n'a vienne en partie dans le rapport. Nous va regarder ça avec ancien commissaire gouvernement Gonaïve et notre Genelis. Magistrat Genelis, bonsoir. Un plaisir pour nous parler à soi dans l'émission Boukantier la parole. Émission ça, nous connaissons Kibla Radio ça, nous connaissons Kibla École dans le département Atibonite là, sous 106.3. Merci un peu parce que vous êtes disponible pour nous. Bonsoir, frère moi. Bonsoir, population. Bon aïtien, non. Bonsoir, Haïti. Bonsoir, monde là, parce que c'est une radio qui traverse les frontières. C'est un plaisir pour nous participer à soi dans l'émission Boukantier la parole. Avec Michael, de manière alors, que nous sommes capables d'éclaircir certaines choses pour la population. Alors, c'est Jean-Ismaël Valestin, l'aide de Michael. Jean-Ismaël Valestin. Merci, parce que vous êtes disponible pour nous. Avant même nous rentrer dans le vif sujet, magistrat Genelis, qui est souillé dans Gonaïve? Moi, originaire de Petite Rivière de Bayonnais, moi, c'est un ancien policier, un ancien agent cap, démissionné, premier inspecteur démissionné, pour entrer à l'école magistrature haïtienne. Deuxième promotion à l'école la magistrature haïtienne, c'est un ancien responsable commissariat, Lister, Grissier et Carrefour, un ancien responsable service départemental de la police judiciaire, et un ancien substitut commissaire du gouvernement parquet de Port-au-Prince, un ancien avocat barreau de Port-au-Prince. Et on s'est substitué au commissaire gouvernement plusieurs fois par quelqu'un de Gonaïve, ancien commissaire gouvernement de Gonaïve,
Il y a un maître en gestion des ressources humaines, actuellement, il y a un avocat Barreau de Gonaïves. Voici l'homme. C'est citoyen ça, nous pourrons le parler avec lui à soir. Mamdou, nous allons passer 35 minutes ensemble là, dans Boukanté la parole à soir. Nous allons passer 35 minutes ensemble à soir dans Boukanté la parole. Mais avant de rentrer, pour raison, nous allons parler à Boukanté la parole. Pour qui sont pas commis ce gouvernement Gonaïf? Pour qui sont-ils révoqués? Bon, pour la vérité et pour l'histoire, je ne vais pas jamais révoquer parce que nous sommes allés plein d'incohérences là-dedans. À partir d'un scandale pour des raisons politiques, parce que M. Yon nous mène une enquête au ministère du gouvernement qui n'a pas de résultat dans la ville de Gonaïve, jusqu'à la population a demandé au Bayon et donc Généluce, il y a un morceau de sécurité dans la ville là. Donc, il ne s'est pas satisfait, on s'est dit pas un politique qui est dans le département. On s'est un montage, je n'ai pas dit fait un vacarme contre moi à partir de vacarme là. Nous avons dit que nous avons mis en disponibilité avec solde. Nous avons près de 3 ans. Nous avons touché comme commissaire du gouvernement, faire pas voir mal travail. Nous avons écrit au ministère de la Justice pour le voir mal travail ou bien couper chèque là. Concernant lui, il y a plusieurs temps, après correspondance, nous avons produit fait et nous avons coupé chèque là. Parce que jusqu'à ce que nous avons une décision administrative appropriée. Donc, concernant chèque là coupé, nous n'avons pas connu ce gouvernement, nous n'arrivons encore. Jusqu'ici, le ministère de la Justice, pour moi, il y a une correspondance responsive qui vous dit moi, une décision administrative qui prend à partir des correspondances qui ont été adressées à le ministère là, pour me demander de faire ça. Voilà, voici le. Donc, vous avez évoqué comme commissaire gouvernement Gonaïve? Non, moi-même, moi démissionné et les plans déposés au ministère de la Justice, ils ont gagné. Nous avons des soupages. Une fois que nous avons déposé là avec accusé de réception au ministère, là, je m'en ai coupé chaque mois. Et puis, donc, je m'en ai publié une soupage Facebook. Moi, tout le monde est venu. Au contraire, pendant que je parlais avec vous, la lettre n'a pas soumis. Moi, c'était soumis. Moi, nous avons tout le détail, tout le contenu, les plans, etc. Mais nous, en 2015, et Pierre-Richard Casimir, qui était ministre de justice à l'époque, là, t'es révoqué où? Oui. C'est ça, moi, je dis, incohérence, parce que j'ai un lettre qui dit, moi, révoqué, mais moi-même, moi, toujours touché comme commissaire du gouvernement, et puis, moi, écrit pour me dire, écoutez, chaque fois, parce que nous parlons pour une décision administrative appropriée à cet effet. À partir de ce moment, ça veut dire à partir de la réception de cette correspondance, maintenant, chèque la coupé. Je parle pour le clair, juste commissaire du gouvernement, vous arrive, moi-même, j'ai toujours touché, moi, m'a dit, fait, réduire cette situation administrativement. Là, au fil de ses lits, et puis il a informé jusqu'au moment où il rejoint aucune information et affaire. Mais qui sont qu'on est dans le monde qui est dans la prison, au dossier de juge d'instruction, ou même où tu es voué, où tu es monté machine à un monde, ça, selon l'information qui est sur Gonaïve, pour le prendre l'argent à la banque, on pourrait venir. Voilà. C'est tout ça. Oui, même dans le pays, en plus, le monde est velléité pour faire mensonge, brimer. Sur la vérité. Dans l'époque, ça, moi, pas même Haïti, moi, j'étais aux États-Unis. D'ailleurs, moi, je dis, dans qui avion que j'étais aux États-Unis, et dans qui avion que je retournais. Moi, aller dans American Airlines, moi, tourner dans JetBlue. Moi, baille date, moi, baille toute information. Moi, dis, pour vérifier, aller dans le service d'immigration américaine, aller dans le service d'immigration haïtienne, là, vérifier pour nous. Est-ce que moi-même, moi, pas en voyage dans data, est-ce qu'effectivement, moi, j'étais Haïti? Donc, et puis en plus, machine type mot qui était allé, moi bail numéro plaque, moi bail policier qui était dans machine type mot, qui était accompagné, non? Donc tout ça, bah, et puis j'oublie tout aussi en dedans, capital banque, caméra. Donc côté photo, caméra après pendant que nous sommes dans la machine. Tout ça, ça veut dire que je fais un bruit couru, je ne parle aucune vérité là-dedans. Et c'est sous base, ça a tout, qui est le ministère de la Justice, qui est une injustice criante qui a fait avec un monde qui baille tout le même pour la sécurité à la population. Et puis, on continue à mettre chèque pour moi. Après toute enquête qui fait, voilà, jusqu'à ce que moi-même, moi, écrit pour me dire, bon, qui n'a pas aucune décision définitive pour mal travailler, on met tout le chèque là. Mais ils vont nous tant qu'ils sont corrompus, non? Ils vont nous tant qu'ils sont corrompus, ils sont monde qui. Absolument, tant qu'ils sont corrompus, ah oui, très bien, tant qu'ils sont corrompus, on me dit qu'ils sont entrapés dans la corruption, alors que ce n'est pas de vraie raison ça.
vraie raison, c'est que Enoch Généluce, on est très intrépide. Donc, lui-même, c'est commissaire du gouvernement, c'est commissaire du gouvernement, il n'est pas couché avant mon gang de la population. Il ne prend pas de pied. Tout le monde, quel que soit appartenance politique, pour enfreindre de la loi, ou pour aller dans la prison. Donc, en plus, le monde en Haïti, on va aller dans la gaïta. L'homme est tempérament, ça va souffrir en pile. Vous pensez qu'on met politique derrière tout ça? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous met politique derrière tout ça, parce que pas une décision qui prend de manière aléatoire. Ce sont des décisions calculées et à effet politique. Il y a des gens qui tirent profit de malheur à l'autre monde. Il y a des gens qui sont comme ça, ils vivent même. C'est créer malheur dans les voisins pour que lui-même tire profit. C'est comme ça, ils vivent. Pour qu'ils aient un politique. C'est comme ça, retour. Pour ça t'as gagné politique ou pas fait politique ou son commissaire gouvernement ou dit à l'époque là que t'as fait travail ou? Non, le commissaire du gouvernement, c'est pas seulement un personnage judiciaire, il est aussi un personnage politique parce que le décret du 22 août 1995, dans son article 98, si je ne m'abuse, c'est le commissaire du gouvernement agent de l'exécutif auprès du système judiciaire. De pourquoi le commissaire du gouvernement, non seulement ils sont acteurs judiciaires, mais ils sont représentants exécutifs aussi au sein de l'appareil judiciaire. Donc, dire au commissaire du gouvernement, il n'est pas en personnalité politique, c'est faux. Ok. Bon, en entrant sujet à soi, et donc, Généluce, c'est ça? Très bien, et donc, Généluce. D'accord. Mandat 18 août, vous déposez en plainte. Alors, il y a un papier capsiculé qui dit vous déposez en plainte dans la date 18 août. Et lui intéressé. Est-ce que vous êtes capable de confirmer pour auditeur Radio Méga émission Boukante la parole à soir, c'est vous-même qui déposez plainte ça tout bon vrai contre ancien sénateur Youri Latorti pour sa fait corruption avec détournement l'argent qui était consacré pour rénover Ville Gonaïve qui était sorti dans fond Petro-Caribé. Est-ce que c'est vous-même qui déposez plainte ça dans la date 18 août? Oui, parce que Mbawa pour si ça pour au monde de tourner l'argent. Non. Effectivement, Ismaël, c'est moi-même qui déposais l'aide de plus ça contre le sénateur Youri Latorti. Dans la date 18 août, c'est vous-même? Oui, c'est moi-même. Ok, c'est Enoch Généluce qui déposait plein de ça pour demander action publique, mettez capable de mouvement contre le sénateur pour détournement de l'argent avec corruption. Qui motivait et qui poussait ou à déposer plainte contre Youri Latorti? Mais ça qui motivait le poussé, c'est misé à population. Son population, nous avons plus de 400 000 monde. C'est population qui est très dense. Malgré la densité de population, pendant toute carrière sénateur là, dans l'État, il n'a pas fait même l'école nationale, mais l'école communautaire, voire pour faire un centre professionnel pour jeunes. Jeunes qui n'ont pas de populaire, au lieu qu'ils construisent l'école pour eux, c'est le revolver qu'ils mettent dans les yeux. Donc, dans ce sens, moi-même, je regarde la place d'Anne Bonaïve, qui a gagné pour te reconstruire. Je dis là, c'est ils ont chez le Fatra, ce cochon qui a mangé Fatra sous place d'Anne Bonaïve, cité de l'indépendance. Donc, il y a un comble là qui est pour planter 6900 pieds de bois dans Bonaïve, même au plus piquant, il n'y a pas planté. Donc, tout ça, il y a été appelé moi. Comme Bonaïvien authentique, ça, il y a été appelé moi. Là, moi, génial, où il y a, donc, une presque pas prêt étudier au sérieux. C'est quitter pays à l'échelle, les plus forts, jeunes qui allaient Chili, à Brésil, sous pour étudier statistique, pour avoir la communauté au sorti, plus fort sorti Bonaïve. Donc, ça a été appelé moi-même, comme un acteur. Donc, on doit payer pour que moi-même, moi, poursuivre le monde qui gagne, quel que soit le monde qui a gagné, mais au trempé, comme ça, qui c'est 5 millions de dollars verts, donc qui pour Ville Bonaïve, et pour ne pas filmer pour ça dans la crasse et dans la misère, ça a interpellé. Voilà pourquoi, que moi-même qui connais, sénateur Youri, c'est lui-même qui était coordonnateur, prend ça, c'est lui-même qui te prend la parole en 2014 pour le gouvernement Lacayou. École Saint-Paul sur route d'Agonaïve, en tant que coordonnateur pour ça, pour le gouvernement Matéli Lamotte, et que la vidéo a circulé sur tous les réseaux sociaux. Et puis, il y a
depuis que choses est senti qui lui-même fait déclaration que par là pas jamais mentionné et compagnie rien pas jamais mentionné dans le rapport Cour supérieure des comptes mais toutefois il essaie qui se compagnie par là te gain pour te restructurer et pour m'habiller réhabiliter la cour route qui mène à la cour souffrie et la cour souffrance. Donc bagaille travail n'a pas été fait convenablement d'après constat que moi-même fait. Donc elle dit tout sénateur Yuri Latorti à l'époque c'est lui-même qui était coordonnateur. Quel démenti à maître président dit pas jamais coordonnateur plan spécial Gonaïve. Pardon? Qu'elle dément Yuri Latorti démenti qu'elle dit pas jamais coordonnateur plan spécial Gonaïve. Eh bien député Charles Deschampy qui bénéficie il y a un contrat ça il dit c'est sénateur Yuri qui était coordonnateur et que il fait des passions ça. Il fait déclaration ça avant-hier et que l'ami Kouo, France Renel Lebrun, texte là, il est sur les réseaux sociaux, et soit bien senti, identifié le sénateur Yuri comme tel. Et puis il y a Marado qui s'est allié sur le sénateur Yuri Latorti, dans l'émission La Voix du Peuple, une radio locale, Marado déclaré que le sénateur Yuri était dit, effectivement, il était coordonnateur, mais c'est à l'oral. Parce que c'est ouais, lui-même comme un acteur dans le département, l'agence a bail et que lui-même, il n'a pas de touche ni là-dedans, il n'y a pas de problème, nous mettons coordonnateur, mais pas de bien l'être non. Bon, le temps d'accepter d'être coordonnateur pour capable d'atterrir un plan gouvernemental qui est évalué, qui a un budget qui est évalué à 6 millions de dollars américains, et puis vous dites qu'on a accepté nos cadres formels, ça prouve encore culpabilité. De pourquoi tout ça est motivé, moi? Pour porter plainte, non contre compagnon, mais contre coordonnateur, parce que le coordonnateur, c'est celui qui doit planifier, qui doit gérer, coordonner, écouter, communiquer. Voilà pourquoi, comme on dit, au lieu que mal derrière coordonnateur au complice, donc bon principe en droit, c'est le principe de la responsabilité punissable. Faut pour identifier auteur d'abord, avant d'aller en condition, moi-même, moi, identifié auteur, moi, porter plainte contre auteur, à auteur là. Là, il a décidé de conclure bien qu'on a quelqu'un avec lui. Et donc, Généliste Paguin, rien de personnel avec le sénateur Latorti? Absolument rien de personnel. Au contraire, si c'est politiquement d'appel avec lui, d'appel même Javel, d'appel sur les réseaux sociaux, à Salonie. Parce que l'homme de salon monde dans le pays d'Haïti, c'est sur les réseaux sociaux, il va créer une perception négative de monde. Parce que la politique vit de la perception et la perception égale avec fait. Donc la politique, la perception vaut fait, pas égale à fait. La perception vaut fait. Donc nous tapons ça. Moi-même, même j'ai une habitude de faire. Moi-même, je ne pas faire. Moi, je suis la justice. Parce que moi, je suis la vérité. Parce que la justice vit de la vérité. Ou mandé pour commissaire gouvernement mettre action publique en mouvement contre ancien parlementaire pour corruption pour infraction corruption avec détournement l'argent Petro-Caribé alors que nous sommes dans tout côté et Yuri Latorti l'a mandé tout et pour passer code dans tout le monde qui gagote l'argent ça est-ce que là pas de confusion combien dossiers Petro-Caribé qui gagnent combien dossiers Petro-Caribé qui gagnent et magistrat généliste combien qui gagnent même ou même avec ancien président éthique et anticorruption dans le Sénat qui pas qui était enquêté sur gaspillage l'argent ça nous pas parler même dossier n'a pas les mêmes dossiers sauf que ou même connaît très bien Ismaël dans le pays d'Haïti nous a crié avant on met pas ce code dans coule là bon monde qui mourit c'est lui même qui tue mon nom sénateur oui lui de même trop bien fond dans côté pour car il a couru là moi sur son pratique haïtienne. Donc, le fait que nous n'avons prié avant, pas dit que c'est lui-même qui est auteur là. Donc, le fait que nous prié, mettez pas la pile de vie que nous disons comme la même, mais pas la pile de vie que c'est Paris. Donc, pour regarder, dans toute compagnie qui bénéficie de projets, ça y est, c'est le monde qui est autour de A. Oui, je connais ça d'avoir levé. Nous n'avons pas fait contact avec le magistrat. Oui. Alors, magistrat, c'est parce qu'il est ancien commissaire gouvernement. Dans la ville Gonaïve. Vous connaissez ça d'arriver. Malheureusement, on a parlé avec des compagnies différentes. C'est ça qui fait ça lui-même. Et, ok.
et c'est ça qui fait ça arriver. OK, n'a parlé sur deux compagnies qui différents, c'est ça qui fait ça arriver là. Il pas de arriver non, mais n'a juste géré ça très rapidement pour capable continuer interview avec magistrat généliste, ancien commissaire gouvernement Gonaïve, qui confirmait effectivement lui-même qui déposait plainte contre ancien sénateur Latibonitlan, ancien président anticorruption, éthique anticorruption au niveau Sénat République là, pour sous question gaspillage fonds pétro et caribé. Nous allons échanger les téléphones. Parce que nous allons laisser ça très rapidement pour nous faire contact avec magistrat Géné et Enoch Géné Génélis sous question Petro-Caribéa, l'argent qui est destiné pour faire ville Gonaïve Belle et citoyens. Il prend courage li à deux mains pour déposer plainte contre Yuri Latochi. Il est identifié comme moun qui t'a porté projet. Et c'est dans ce sens-là, moi-même, comme n'a parlé de Jédi Petro, dans Boukanté la parole, nous t'es décidé de parler avec les magistrats. Et donc, généliste, nous avons fait contact très rapidement avec magistrat généliste pour nous garder comment ça, lui-même, l'a pensé, puisque là, son petit arrangement qu'a fait là tout petit, et nous, quoi qu'il presque OK là, pour nous capable parler avec magistrat, OK? Son arrangement là, Mackenzie se joue. Maken se jou, arrangement qu'a fait là, il y a une petite difficulté bon côté pam là avec compagnie qui n'a même rien. Maken se joue, OK? Maken se joue, là c'est important, OK? Pour nous regarder ça, moi je voulais continuer avec magistrat, ancien commissaire gouvernement Gonaïve là, pour nous capable parler avec magistrat Genelis sous plainte ça il déposé dans date 18 août pendant la PC garder réalité a Blaise a persisté relé Blaise moi pour fin parler avec commissaire Genelis, OK, et puis il pas accusé Blaise. Je vais pas accuser Blaise et on va parler de Blaise, OK, la parole. Parler de Blaise qui était nous-mêmes espace là disponible et tout ça Enoch Généliste Abdila, si ancien sénateur Yuri Latochi voulait réagir lui-même, il a droit de réponse, OK, de tout ça magistrat lui-même alors Enoch Généliste Abdila, il a droit pour réagir, il a droit de réponse dans l'émission pour quand la parole. Si ça va marcher, n'a pas fait l'autre bagage, OK, ça va marcher, n'a pas obligé faire un autre bagage et li pas ça va marcher, n'a fait un autre bagage avec pour capable continuer avec Enoch Géné Génélise, ancien commissaire et gouvernement et la ville de Gonaïve. Nous va regarder ça avec lui très rapidement, OK, on regarder ça, n'a pas utilisé téléphone ça puisque me connaît son n'a pas passé plus bien là. Mais malheureusement, ça m'a vu faire, lui n'est pas arrivé marcher. On regarde là très rapidement, est-ce que n'a pas jeune magistrat pour être capable d'avancer avec lui. OK, tout bagaille à bouquer là et OK, retirer, OK, retirer. D'accord, OK. Et pour nous parler avec magistrat Enoch Géné et Génélis, oui. Nous tape magistrat nous t'es non près même sénateur lui-même l'a demandé compte pour arrêter moun tout qui gaspille l'argent pétro et caribé c'est l'andé. Oui, là nous t'es Ismaël, écoutez incohérence qui gagne dans deux ma sénateur pendant sénateur a demandé compte pétro caribé lui-même lui c'est il y a un acteur principal qui a demandé quoi Petro-Caribé, alors qu'en 2018, Plasola, qui est une plateforme d'organisation qui a dirigé par Jacques Oubel Boldav dans Gonaïve, et Mette Timayo qui m'a demandé moucher l'État contre Petro-Caribé. Et si M. Sayo est entré avec Mayo Sassouyo pendant que le sénateur a assisté Metz dans la cathédrale du souvenir de Gonaïve, et qui sénateur Yuri Latotian, c'est ça qui met sur coulé en dans l'église là. Ça te fait un scandale. Parce que tu as demandé quoi de Petro-Caribé. Ou une cohérence qui vient dans ça. Donc si vous même vous faites des marches pour l'État, pour les sociétés haïtiennes capables de bénéficier comme ça,
qui sapait comme ça, qui détournait, qui dilapidait. Donc, même ou même ça, ou personne, ou équipe, ou personne, vous voulez, parce qu'il y a des comme Petro-Caribéa. Ce n'est pas sur les gars pour dire que, régionalement, bon ensemble des citoyens qui connaissent que le sénateur Yuri Latour, qui est même très, très fort dans le comme Petro-Caribéa. Et ces citoyens, ça, réellement des comme ça, ils ont mis un maillot qui m'a dit comme ça, dans la cathédrale du souvenir en 2018, et que monsieur a fait sentiment sur le coulé. Donc, qui cohérence qui vient dans ça? C'est pour me faire des gars pour me dire que ça va appliquer là, c'est une pratique haïtienne. Mon nom est un petit peu, le premier monde qui vient pour ton secours, c'est lui-même. Donc, le sénateur Yuri Latour, il est même trempé très fort dans le code là. Il est même là pour jouer tout pour détourner l'esprit monde pour que lui-même, il parle dans le code, à la marée quand même. Ok. Mais Wavel nous n'a pas le même dossier. Pardon? Est-ce que Wavel n'a pas le même dossier? De? Est-ce qu'il a parlé c'est même c'est sous même dossier? Est-ce que vous estimez Wavel nous pas sous même ligne? Wavel nous sous même ligne, mais lui-même il va reconnaître que lui-même il s'est dans mon dispositif de prendre code dans le dossier. Même dossier, même quand Petro-Caribéa a cherché à l'igner dans le code là, il faut mettre des postes vidéo. Pour le mettre comme ça dans la poche, il y a tout. Okay. Parce que il n'y a pas qu'un comme qui n'est pas l'autre monde, et puis il quitte le comme par là dans la poche. C'est ça, moi-même, je n'ai pas accepté. C'est une bagaille qui fait me porter plein de temps. Vous pouvez demander pour un comme pour partir dans le comme là dans la poche, et pour mon paraître, pour que l'on m'y ait le propre, et pour le comme là dans la poche, ou même, pas du tout le comme là dans la poche, mais 5 millions de dollars américains qui font de rénovation ville Bonaïve. Donc nous demandons lui-même pour le capable de arriver dans le comme de Caribé à l'été sorti. Et ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, dans plusieurs suites que les bails sur les réseaux sociaux, il montrait que le sénateur Yuri, c'est un homme qui a coordonné pour lui à l'époque en 2014. Dossier Petro-Caribéa, il y a 2 ans depuis l'affaire parler de lui dans le pays à mettre Genelis. Dans telle année depuis la parler de lui. Dination, ça que fait, c'est qu'on y a ou choisi. Côté plainte contre ancien sénateur Latour, ça que fait c'est qu'on y a ou prend décision ça. Décision. Très bien, ça que fait c'est qu'on y a. Ça que fait c'est qu'on y a moi prend décision ça. C'est parce que c'est qu'on y a dans la troisième tranche, rapport Cour supérieure des comptes, nous citons ensemble de compagnies que sénateur Yuri est dirigé et remettre bail ministère des comptes qui signe un contrat pour atteindre un stage. Le programme rénovation urbaine Gonaïve. Qui compagnie ça, oui? C'est Kounia, compagnie ça, oui. C'est peut-être carré pour me citer ça seulement. Pour me citer ça seulement, je me songeais. Parce que l'histoire, pas même là, il n'est pas sous yeux. Donc, c'est ensemble de compagnie ça, Kounia, yo mentionné, yo. C'est notre troisième tranche rapport pour supérieur des comptes. Mais, ok, si Kounia aussi de nos compagnies, c'est pas compagnie qui est levé. Où il y a le ministère du Port-au-Prince. Oui, a signé un contrat. C'est le sénateur qui a coordonné toute activité. Ça, il y a lieu maintenant de questionner la présence du sénateur Yuri dans le cadre de sa dépense. Voilà pourquoi je me dis, ok, c'est une occasion d'or de porter ma plainte par devant les autorités judiciaires pour que le sénateur Yuri soit puni conformément à la loi. Mais est-ce qu'on voulait dire comme si... l'argent 5 millions de dollars américains pas gagné qui fait Gonaïve. 5 millions de dollars américains, si vous m'avez ou quand vous fait, c'est un petit bout de mur, l'autre qui était la cour souvenance, ça a lui-même les patins, ou capable de voir un petit bout de mur qui fait en béton, ça c'est compagnie TSC, ancien député Joseph Sancy, a dirigé qui était fait. Ça, on est capable de retenir comme un bagage visible que ce qu'on peut au Caribé à faire Gonaïve. Après, ça m'a continué encore, non? C'est marche ou pas marche dans la ville là ou bien c'est mauvais foi même contre le sénateur? Imaginez-moi, en 2014, c'est mon commissaire du gouvernement et son commissaire du gouvernement très actif. Je me donne une minute pour me faire la sécurité. Sécurité blahie dans la ville là. Ça veut dire que je compte tout le bagage de tous côtés. Dans les trois, on dit c'est plusieurs fois ancien premier ministre. Alors, on dit c'est plusieurs fois ancien premier ministre Laurent Lamotte déclaré dans plusieurs médias et sur compte Twitter li, que Yuri Latour c'est coordonnateur li et défini
et ou définit mission yon coordonnateur, coordonner, planifier, diriger, gérer, écouter, communiquer, superviser. Est-ce que ça fait Yuri yon comptable des données publiques? Pardon? Ou pas tant de questions? Hein? Non, madame, la question, d'abord, tout ça, dit, okay. On n'a pas de questions. Moi, dit dans l'être ou à. Ou dit c'est plusieurs fois, ancien sénat, ancien premier ministre, Laurent Lamotte, déclaré dans plusieurs médias, ou bien, sous compte Twitter, que Yuri Latoti, c'est coordonnateur, et ou même défini dans l'être la mission, yon coordonnateur, qui c'est coordonner, oui, planifier, diriger, gérer, écouter, communiquer, superviser. Est-ce que ça fait Yuri Latoti, yon comptable des deniers publics? Est-ce que ça fait de lui un comptable de deniers publics? Oui. Oui, ça fait de lui un comptable de deniers publics. Parce que comptable de deniers publics, là, ça lié. C'est là où il y a une gestion, oui, de yon valeur qui appartenait à l'État, oui. Donc, là, il y a 5 millions de dollars américains que vous même qu'à gérer atterrissage programme, là, ou son comptable de deniers publics. Donc, ça veut dire, oui, la Totti, c'est le même débat explication. Non, pas selon moi-même. Suivant ça, Marado dit que Yuri était accepté de manière informelle. Suivant ça, ancien député Chancy qui dit Yuri était ancien coordonnateur pour la rénovation. Suivant plusieurs suites, ancien ministre et premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Donc, sénateur Yuri fait pour la explication de 5 millions de dollars américains qui volatilisent. Qui compte qui sont dans le compte Petro-Caribéa, où elle va parler, moi pas parler de, moi pas parler de construction complexe, complexe Gonaïve, complexe administratif. Je parler de lui parce que je n'ai pas gagné tout élément. Et comme j'ai tout élément, je m'a porté prêt. Et comme nous, Ismaël, tout ça comme déposé, il s'est coulé beaucoup de larmes. Et il y a des décisions irréfléchies que monsieur a commencé à prendre ce soir, parce que hier soir, vers les 9h30, ma traversée sorti dans le calme pour m'aller de l'autre côté, non, l'autre calme bien en haut pour aller travailler. Je suis sorti dans le bas du nez, je suis sorti vers nous, et bien, il y a deux machines, sans plaque, 10 TT, et bien, qui chargeait monsieur, il y a plusieurs monde qui étaient avec moi, monsieur, il y a deux cartouches pour intimider. Et national, lumière nationale en direction banque-là, nous avancer sur monsieur. Monsieur, il était parking, le parking machine dans cette fois-ci, en bas de la station gaz nationale, qui est tout près de là. Donc, je avancé sur monsieur, on me dit, monsieur, c'est mon métier qui est tiré. Et puis, je me dis, sécurité gaz nationale, là, il parle, il dit, monsieur, qui vient de nous faire là? Je laisse ça à monsieur pour la machine au courrier. Vous avez même ça? Non, nous t'es plusieurs, nous t'es okay. Plusieurs qui t'es là. Nous t'es plusieurs, Maxwell. Il y a plusieurs qui t'es ensemble avec nous. OK? Ça veut dire qu'on va gagner ma ferme, d'ailleurs, je connais ma peur. Ma peur. Donc, moi, je vais lui intimidation. Je vais intimider. Il faut que les gens disent non. Il y a plusieurs. Il y a un bon aïe, il faut que nous parlions là. Sauf que, il y a un phénomène de peur, de terreur. Vous comprenez qui est établi dans la ville. Tout le monde peut. Donc, sénateur, oui, ils sont pour nous craindre, ils cachent tout le gens. Donc, c'est ça, mon peur. C'est qui, ça, c'est citoyen, peur. Mais quand des citoyens qui disent non. L'autre, ils cachent tout le gens, ça, vous l'avez dit. Bon, là, ça me l'a dit par la cachent tout le gens. Ils ont voulu assassiner. Quand ça, ils ont fait tirer tout le monde secteur. Vous avez aussi une enquête dans la Tibonite, vous connaissez que il y a plusieurs cas qui répétés dans la Tibonite. Dans quelle année? Vous gardez la parole? Par exemple, à l'occasion de la mort, sénateur Véritéan, Casario répété, par qui? Exemple. Sénateur Unité a été fait un accident. L'image. Bon, là, on va mourir pas mal, c'est un peu tout de gens. Non, c'est un accident de la route. Ils sont là,
Ismaël, va y songer, va faire ça. Accélère minute tout le temps, Ismaël. Accélère minute tout le temps. On est haïtien, on nous parle en haïtien. Accélère minute tout le temps. Alors, on s'en va, ça, les mains de notre. Les vaillants qui cobé aujourd'hui, les vaillants Louis-Jean qui cobé, tout ça, on parlait. Donc, ça veut dire que, en plus, nous pour parler, les magas, la va lâcher bien. Moi, je n'ai rien de personnel avec les sénateurs, sauf que, moi, je dis, lumière sur quoi Petro Caribe, elle est une lumière qui passe de manière générale. Vous même vous pas peur rentrer dans le dossier ça ou? Mais pour qui ça vous pouvez dire la vérité? Si vous pouvez dire la vérité, ma victime de mensonges. Alors, pour qui ça m'a donné qui a né moun mouri gouna et vieux, m'dabal gade qui te responsabilité ou, puisque sous te dit moun mouri et pas bal, m'dabal gade de responsabilité comme ancien commissaire gouvernement. Mais ou dit c'est accident, c'est moun qui malade. C'était sous moi-même, c'était sous moi-même, m'tap fait même si bagay là, avec moun qui te tué, journaliste Alix Joseph là, m'tap demandé perpétuité pour lui. Ça, c'est comportement pas. Qui a cité tout Alix Joseph? C'est Jerry, bien aimé. Pour qui est-ce? Assassiné Alix Joseph. Pour qui est-ce qu'il était tout Yéli? Donc, c'est lui-même qui a arrêté, qui a dit pour qui est-ce, c'était tué, il n'a pas jamais dit pour qui est-ce, sauf que, il y a des suspicions de culpabilité, parce que Jerry Bien-Aimé était cassé, pénitentiaire national, il a sauvé pénitentiaire national, nous, il a torturé, c'était conseiller spécial, Matéli Lamotte à l'époque, il a induit le président Matéli en erreur, il a fait Jerry bénéficier de grâce présidentielle, on est en cavale. Après, il s'est assassiné, Alex Vidal, 11 balles. Donc, ça veut dire qu'il y a des suspicions de culpabilité. Mais qu'il y a la soubaine, pour qui est-ce qui est voyé, c'est Jerry Bien-Aimé qui doit retourner dans la place. Mais vous avez un compte à la justice. Oui, on dit c'est vous-même qui êtes dans la place, et sénateur, ou vous êtes grâce à Jerry Bien-Aimé, tout comme Nego Naïf, pareil. Oh, mais l'entraînement de perpétuité pour lui, c'est Nego Naïf, pareil. Non, les autres ont fait travail comme commissaire gouvernement, pas fait politique. Ah, comme représentant de la société. Eh bien là, nous n'avons pas de politique là, nous arrivons à un niveau ça, pour que les jeunes perdent la vie, et puis nos situations pareilles, et puis pour politique là, du moins, il faut que nous qui tue les jeunes ça, il paraît qu'il est en prison, il ne faut pas finir. Si la politique arrive là, nous avons besoin de faire politique. Politique là, il s'agit de faire. On finit sur le dossier Petro-Caribéa. Mais Jenilis, est-ce que dans la démarche ou sérieux, est-ce que vous voulez la justice passer et poursuivre sénateur vraiment, ou bien c'est diversion ou à faire dans le dossier? Je n'ai aucun intérêt pour faire diversion. D'ailleurs, je n'ai pas besoin ni moi, ni de près, ni de logique, mais je trempe dans Petro-Caribé. Moi, pas mon pièce parti politique, de mon vieux, mais je trempe dans Petro-Caribé. Je n'ai aucune raison pour me faire diversion dans un dossier aussi important. Côté tout jeune en de pays a demandé, côté comme ça prend, 4 milliards, si je ne m'abuse, de dollars américains, côté le fait, il faut l'attiser, il a demandé réduction de compte. Donc je dis à moi-même, pour me taper sous responsabilité, pour me faire diversion dans le dossier pour ça. Mais très sérieux, je voulais que tout le monde qui est me trappé là-dedans, quelques sénateurs ou quelques autres monde, c'est pour rendre compte de comme là. Ok? Très sérieux. Eh bien, merci en pile. Merci Ismaël pour mon travail ou après la société. D'accord. Voilà, merci. Enoch Genelis avec l'Inta Boukanté à Soya dans le cadre Jeudi Petro et Caribé. Eh bien, alors, Jeudi Petro, et c'est avec ancien commissaire et gouvernement Vilgouna Yvelin. Enoch Genelis, nous avons Boukanté là. Eh bien, lui-même, dans la date 18 août, qui confirmait, c'est lui-même qui déposait plainte ça pour demander arrestation. On légère pause. Tomber, Lord Bondrew.